Bonjour tout le monde. Maintenant, on va parler un petit peu de la notion de référentiel galiléen. Eh bien, c'est une notion qui est très simple. D'abord, il faut voir la partie sur euh, la notion de référentiel déjà. Donc, on a dit qu'un référentiel, d'abord, est un solide. Un solide un solide qui ne se déforme pas un solide par rapport auquel on étudie un mouvement et on ajoute une horloge une horloge pour mesurer le temps par exemple le référentiel terrestre on peut étudier un mouvement par rapport à la Terre, et bien sûr, plus on, une horloge. On utilise une horloge pour mesurer le temps. Donc, ça, par exemple, c'est un, un exemple de référentiel. Mais qu'est-ce qu'un référentiel galilien Eh bien, pour parler d'un référentiel galilien, on donne des exemples. Ces exemples, en réalité, ne sont que des approximations. Un référentiel galilien, eh bien, pour résumer, je peux dire, si j'ose dire cela, c'est un référentiel qui est fixe, qui ne bouge pas. On peut dire que c'est le référentiel absolu. Par exemple, un référentiel qu'on considère comme étant galilien, et le Soleil. Par exemple, notre Soleil, on la considère comme étant un référentiel galilien, et on a notre Terre. La définition d'un référentiel galilien, elle est un petit peu délicate. Mais ce qui est important est pourquoi c'est ce qui est important pourquoi on a besoin d'un référen référentiel galilien Eh bien l'importance d'un référentiel galilien réside sur le fait qu'un objet n'est pas influence que le mouvement d'un objet n'est pas influencé par ce référentiel si le mouvement d'un objet n'est pas influencé par ce référentiel, et eh bien ce référentiel peut être considéré comme étant un référentiel galilien. J'espère que j'ai été clair. Et eh bien je vais vous donner une illustration de cela. Donc j'efface un petit peu ça, et il suffit juste de s'imaginer qu'on est dans un bus. On est dans un bus et le bus est en train de bouger à 40 km par heure. On n'est pas assis mais on est debout. Et il faut savoir aussi que le bus, il a un mouvement rectiligne. Et il roule à 40 km par heure. Et on est debout. Il faut être sûr qu'on ne, qu ne va pas perdre l'équilibre. On va rester debout. On peut lire un livre tout tranquille si on veut. Eh bien, avant de donner. Ce, avant de continuer avec cet exemple, il faut que je vous dise la chose suivante. C'est que... Un référentiel. un référentiel en mouvement rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galilien est aussi un référentiel galilien. Donc on a on peut avoir plusieurs référentiels galiliens. Par exemple, le soleil là. Le soleil. C'est notre référentiel qu'on considère absolu, mais ce n'est pas vrai. Mais on le considère. Eh hein? bien, si vous avez un autre référentiel qui est en mouvement rectiligne, uniforme par rapport au Soleil, eh bien ce référentiel lui-même est un référentiel galilien. Je peux même ajouter que la Terre est un, il peut être considéré comme un référentiel galilien, en des intervalles, en des intervalles particuliers, en des petits intervalles. Il faut savoir que la Terre gravite autour du Soleil, ça c'est vrai. Donc on a ici, bon, ce n'est pas vraiment un cercle, mais on a une ellipse. Mais si on prend une, un petit segment de cette ellipse, une petite partie, et eh bien si on agrandit, ça c'est un segment. Donc dans des intervalles de temps delta t, la Terre peut être considérée peut avoir un mouvement rectiligne uniforme par rapport au Soleil. Donc avec une bonne approximation, on peut considérer que la Terre. Est un référentiel galilien. Maintenant, revenons à notre bus. Notre bus roule à 40 km par heure. Donc, il est en mouvement rectiligne et en plus, il a un mouvement rectiligne, ok On le voit bien. Et il roule à vitesse constante. Donc, il est en mouvement rectiligne uniforme par rapport à la Terre, qui est un référentiel galilien. Donc dans ce cas particulier, notre bus est un référentiel galilien. Et pourquoi il est un, il est un référentiel galilien aussi Eh bien parce que, parce que nous, on remarque, quand on est debout, on peut lire, on peut lire un livre tout tranquillement, parce qu'il a une vitesse constante et il, est, il a un mouvement rectiligne. Mais, dès que le bus voit par exemple un feu rouge ou un obstacle, eh bien il va freiner. Quand il va freiner, nous on va perdre l'équilibre, on va faire comme ça. Eh bien à partir de ce moment-là, le bus n'a plus un mouvement rectiligne uniforme, euh, n'a plus un mouvement uniforme parce que il a changé de vitesse. Et voyez-vous que notre mouvement à nous, il a changé. Nous on veut, on veut être au repos. On veut, on veut être juste tout tranquille, ok? Mais, puisque le bus il a changé brusquement de vitesse, eh bien, on a perdu l'équilibre à cet instant. Donc un bus ne peut pas être considéré en réalité comme étant un référentiel galilien, parce qu'en général, il ne garde pas une vitesse constante. Bon, C'est pour cette raison qu'on ajoute toujours ces supports là dans les bus parce qu'on sait qu'on va toujours perdre l'équilibre. Donc euh, j'espère que j'étais assez clair. Donc, euh, donc un référentiel galiléen, si on veut parler d'un référentiel galiléen, vous pouvez dire qu'un référentiel galilien, c'est le référentiel absolu. Un référentiel galilien, c'est un référentiel qui ne bouge pas. Un référentiel galilien est aussi... Donc on a aussi une définition puisqu'on vient dénoncer la première loi de Newton. Un référentiel galilien... Est un référentiel où la première loi de Newton est vérifiée. Donc, si on veut. Donc, j'ai déjà énoncé la première loi de Newton. Donc, normalement, je devrais, je, je devrais dire que dans un référentiel galiléen, le centre d'inertie. D'un corps, ou plutôt, bon, le centre, ou, donc, donc je vais continuer cette phrase. Bon, on va dire que le centre d'inertie d'un corps isolé par rapport à un référentiel galiléen est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Donc après, on va développer un petit peu cette première loi de Newton et on va donner une expression mathématique de cette première loi.